L'appui financier du groupe est de plus de 85 millions de francs CFA, un don destiné à soutenir les malades et le personnel soignant. La remise du chèque en présence d'Amagiti et Beleman Herman Nestor Toué. La lutte contre la pandémie du Covid-19 n'est pas seulement l'affaire du gouvernement et le groupe Bio Burkina l'a bien compris. En apportant ici un chèque de 87 500 000, l'institution bancaire exprime ainsi sa solidarité des patients de cette maladie et son soutien au personnel soignant. C'était l'occasion pour nous de témoigner notre engagement à l'endroit du gouvernement pour la lutte acharnée qu'il mène contre le Covid-19, de témoigner notre compassion aux malades, mais également de témoigner nos encouragements à l'équipe médicale, au corps paramédical qui au quotidien se bat jour et nuit pour essayer de convaincre, de battre cette pandémie. Modeste parce que nous savons que les besoins sont énormes, mais n'étons pas que ce sont les privières qui font les grands fleuves. Au nom du ministre de la Santé, le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie traduit la reconnaissance du gouvernement et salue la présence des responsables de UBA au front des ripostes. Je suis bien content que UBA ne soit pas contenté de laisser les échanges d'amabilité et qu'il soit venu vraiment au niveau du centre opérationnel. C'est ici que nous organisons en fait la riposte. C'est venu pour probablement non seulement nous donner l'apport, mais également nous soutenir moralement. Et ça va droit à toute l'équipe de la riposte, partout où les hommes seront. L'apport sera immédiatement affecté au niveau de la riposte, rassure le professeur Martial Ouédraogo. Le besoin reste encore énorme, mais pour l'instant, le coordonnateur national invite le peuple burkinabé au strict respect des mesures sanitaires édictées pour limiter la propagation de la maladie.